Et coucou tout le monde, c'est Prince, je suis tout seul parce que je vais faire une vidéo assez spéciale aujourd'hui. J'ai reçu un colis, donc j'ai fait partie des gens qui ont aidé financièrement Trash pour créer leur jeu BattleTube, donc vous en avez sûrement entendu parler. Et donc du coup ils m'ont contacté, ils m'ont dit « Ouais, c'est sympa, on va t'envoyer un colis, machin », donc du coup je voulais découvrir avec vous. Voilà, on va regarder ensemble. Donc je sais déjà d'avance que j'ai eu 20 boosters grâce à ça, et il a dit il y aura des surprises, donc on va découvrir ensemble. Alors pas de spoil, on va faire petit à petit. Alors voilà, déjà, donc pour ce beau, vous devez sûrement connaître, mais le design de ces boosters. Donc attendez, parce que alors je sens, donc je sais qu'il y a un t-shirt parce que Nemesis m'a demandé ma taille de t-shirt. Alors attendez, qu'est-ce que c'est? Ah, quelques petits autocollants trash. Attendez, je suis très mal placé, c'est la meilleure position que j'ai trouvée. Non, si je dois... Bon, je vais pas toutes les ouvrir hein, en vidéo, mais j'en ouvrirai quelques-unes. Oula, mais il y en a du truc, il y en a du bazar. Oulala, oulala. Ouais, vous comprenez, si jamais j'ouvre tout ça, ça fera vraiment beaucoup. Alors attendez, il y a une petite carte. Ah, merci, les successeurs de Disney. Trash. Alors, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Il y en a vraiment beaucoup. Je pensais pas que ça ferait autant. Ça va m'amuser un moment. Je sais plus combien il y a de cartes dans ce jeu. Il y en a 151 justement. C'est grâce au Pokémon que je sais ça. Alors, je sens des badges. Oh, excellent. Ça va rejoindre ma... J'en ai pas beaucoup de badges entre guillemets, à part ceux des successeurs comme ça. Ils sont super beaux. Ils ont une finition mate. Alors, je sens. Donc, je vais pas me spoiler plus que ça. Mais. Alors, il y a un t-shirt. On garde pour la fin. Des gens des unboxings. Enfin, je sais que quand les gens font des unboxings, garde pour la fin. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a une carte. Prince Dina. Mon règne à la pause, vous prenez le contrôle d'un youtubeur adverse. Oh, c'est excellent. Regardez. Enfin, je sais pas si vous verrez bien. Excellent. Prince Dina avec mon sceptre, ma chemise violette. Et c'est exactement... C'est trop excellent. J'adore. Et apparemment... Et ben voilà. J'en ai 3 exemplaires. C'est trop excellent. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir les vidéos de Trash, hein, ils expliquent très bien leur, le principe du jeu. C'est vraiment excellent. Et donc le t-shirt. Le t-shirt. Et bah c'est le t-shirt. Encore une carte de... Elle s'est collée, voilà. Et donc, le t-shirt de Trash, il est super joli, j'adore. C'est marrant parce que c'est... Il me semble que c'est le personnage de Super Meat Boy, hein, si je dis pas de bêtises. Je connais pas trop ce jeu, mais j'avais vu ça dans les commentaires. Il y a une texture super sympa. Donc voilà. Et ben je les remercie beaucoup si un des trashers passe par ici, parce que c'est vraiment génial. Je regrette pas de vous avoir aidé. Et ah non, attendez, je vais peut-être en ouvrir un quand même, un ou deux avec vous, pendant qu'on y est. Hein. Allez, c'est parti. Excellent. Prince Dina. J'adore. Alors, voyons voir. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est un mélange entre Magic, Yu-Gi-Oh! Et je sais pas si c'est un rapport avec Pokémon de près ou de loin. Alors, voyons voir. Alors, nous avons... Je sais pas si vous verrez, excusez-moi, la mise au point, j'ai pas eu le temps de faire des tests. Donc, Patoche. Donc, ça doit être... Ah, j'ai oublié son nom à lui, mais j'ai vu une de ses vidéos hier. Mais ça, c'est Pat. David Lacarte. Donc, David Lafarge. Excellent. Fanta Bob Gum, Fanta, voilà. La salle de bain, alors je vois pas du tout ce qui c'est. Dites-le moi en commentaire si vous savez qui c'est la salle de bain. Surtout qu'en plus c'est un nom parodique. Newty Tough, donc Newty Tough. Wartek, je crois que c'est le copain, enfin ou c'était le copain à Enjoy Phoenix si je dis pas de bêtises. Hey Roche, bah c'est Hey Pierre de Minecraft. Panarmol, alors là je vois pas qui c'est. Tuez-moi dans les commentaires. Ah, déjà un premier double avec Wartek. Et la carte rare de celui-là est Hugo tout solo. Donc Hugo tout seul. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il devient, lui. Allez, on en ouvre plusieurs. Allez, on peut, hein. Allez, on peut. On a le temps, hein. Vous avez le temps. De toute façon, vous êtes parti si vous voulez pas. Alors, voyons voir. Ah, excellent. Putaclic. Vous ne devinerez jamais ce que ces 12 chats ont fait. Le neuvième va vous étonner. Putaclic. Équipement, le youtubeur équipé obtient attraction, attire toutes les attaques. Excellent.
Donc voilà, donc je vous ai pas lu, mais voyez, chacun des personnages, par rapport à ce qu'ils sont comme youtubeurs, ont une attaque spéciale. Par exemple, ben moi, voyez, ils ont mis mon règne. À la pause, vous pouvez contrôler un youtubeur adverse, parce que je suis un prince, donc voilà, voyez le truc. Après, une autre carte magique, page blanche, piège, le youtubeur visé ne peut plus attaquer pendant ce tour et celui d'après. Shira Kursanki. Je vois pas qui c'est. Je ne vois pas du tout qui c'est. Je vois pas. Des terreurs de films. Dédicace à Oncle Buck qui adore le fossoyeur de films. Terracide. Donc c'est... j'ai oublié son nom. Je les suis, mais j'ai oublié son nom. C'est Terracide. Bah oui, non, il s'appelle vraiment Terracide, mais pas écrit comme ça. C'est Terracide et Link. Après, on a Séparation. Piège, annule une carte fusionnée et restaure les deux youtubeurs sur le terrain dans leur pouvoir. Monsieur JD au lieu de Mister JD. Avec Monsieur Connard d'ailleurs en bonus, tiens. Je suis désolé pour la mise au point, hein, parce que je regarde les cartes, je regarde pas l'écran. Seb Lefri. Seb Lefi. Plutôt que Seb Lafri. Voilà, Seb Lafri, Fred Lafri. Oh là là. Oh non. Ils ont mis Jerem Super. Enfin, Jerem Star, Jerem Superstar. Ça, je l'avais pas vu, pourtant je suis très... J'ai essayé de pas me spoiler parce que le jeu est sorti il y a un moment, mais sérieusement, j'adore. Et oh, forcément, mon youtubeur préféré, Fredo du Grenier. Excellent, je l'adore. Brocante, à la pause, vous piochez une carte. Allez, on continue. Bon, je vais pas ouvrir les 20, hein, mais bon. Je le ferai peut-être dans une vidéo bonus que je vous mettrai en annotation à la fin. J'inviterai peut-être quelqu'un, enfin on verra, je sais pas... Bon, parce que je ne suis pas David la carte. Dina la carte. Alors, DDoS. Peut-être que je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Retourne un youtubeur adverse qui vient d'être posé dans la main de son adversaire. Supprimer. Piège. Annule une attraction sur un youtubeur adverse. Sifai. Sifaies. Je suppose que c'est Sifano. Ce youtubeur peut attaquer deux fois dans un même tour. Monsieur JD encore. Seb Lefi encore. Seb Lefi. Oh, Valok ou Valek. J'adore ce youtubeur. Sir Gibzos. Donc Sir Gibzy, je suppose. Oh, le prince des rats. Ah bah, voyez. Deux princes. Oh là là. Excusez-moi. Oh, je suis désolé d'avance. J'étais ici. Vous avez peut-être pas tout vu. Je suis désolé. Chelsea. Alors, je connais de nom. Mais sinon, je ne sais pas du tout ce que fait cette fille. Et Natou. Natou, N-A-T-O-U. Charge des licornes. D'accord. Vous voyez, donc je sais pas. Apparemment, je sais que on peut avoir autant de cartes qu'on veut dans son deck. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien en avoir 10 qu'en avoir 100. C'est une règle que j'ai trouvée assez étrange. Mais en même temps, c'est vrai que si vous en prenez trop, et ben vous pouvez pas affiner une stratégie. Par exemple, là, j'ai Fredo du Grenier. Mais si on prend Sebo du Grenier, je sais pas si ça s'appelle Seb, et ben on peut fusionner pour créer la chaîne Joueur du Grenier ou un truc du style. Et donc voilà pourquoi, si vous avez trop de cartes, c'est un peu embêtant. Donc voilà, ben je les remercie encore beaucoup. Regardez, j'ai encore pas mal de boulot. Donc voilà. Et ben on se retrouve très bientôt sur la chaîne. À très bientôt. Bisous bisous. Je vais vous emmener sur Periscope, Snapchat, Facebook. Noble paysan, suivez-moi, venez.